Ordonnance numéro 20/149B du 29 décembre 2020 portant nomination au sein du groupement des écoles supérieures militaires. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2016, spécialement ses articles 69, 79 et 81, vu la loi organique numéro 11/012 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des forces armées, spécialement en ses articles 9, 89, 90 et 92, vu la loi organique numéro 12/001 du 27 juin 2012 portant organisation, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la défense, spécialement en son article 3, vu la loi organique, vu la loi numéro 13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 73, vu la loi numéro 13/005 du 15 janvier 2013, portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 2, alinéa 1er, 73 et 167. Vu l'ordonnance numéro 13/061 du 17 juin 2013 portant organisation et fonctionnement du commandement général des écoles militaires, spécialement en ses articles 20, 28, 29 et 30, vu l'ordonnance numéro 19/056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 19/077 du 26 août 2019 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'ordonnance numéro 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 20/017 du 27 mars 2020, fixant les attributions des ministères, vu l'urgence et la nécessité, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er, est nommé chef d'État major du groupement des écoles supérieures militaires, le général de brigade Quinquenza Jean-Claude, matricule 1 64 85 989 74 65. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le premier ministre et le ministre de la Défense nationale et ancien combattant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 29 décembre 2020. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunga Ilunkemba, premier ministre. Pour copie certifiée conforme à l'original, le 29 décembre 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Kolongele Eberonte, directeur de cabinet AI. Ordonnance numéro 20/149C du 29 décembre 2020 portant nomination au sein de l'école de guerre de Kinshasa. Vu l'arrêté ministériel numéro MDNAC/CAB/013/2020 du 14 décembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement d'une école supérieure d'état-major dénommée École de guerre de Kinshasa, EGK, en sigle, spécialement son article 10, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er, est nommé commandant de l'école de guerre de Kinshasa
le général de brigade Mouland Nawej Godefroy, matricule 1 64 97 07 290 27. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le Premier ministre et le ministre de la Défense nationale et ancien combattant sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 29 décembre 2020, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 29 décembre 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Colonguier-Lébérante, directeur de cabinet AI. Ordonnance numéro 20/149E du 29 décembre 2020 portant nomination dans la catégorie des officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ses articles 69, 79, 81 et 191, vu la loi organique numéro 11/012 du 11 août 2011, portant organisation et fonctionnement des forces armées, spécialement en son article 9, vu la loi numéro 12/001 du 27 juin 2012, portant organisation, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la défense, spécialement son article 3, vu la loi numéro 13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1, 2, 3, 60, 62, 164 et 167, vu l'ordonnance numéro 10/047 du 23 juin 2010, instituant le port des grades et insignes distinctifs au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1er, 2 et 3, vu l'ordonnance numéro 19/056 du 20 mai 2019, portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 19/017 du 26 août 2019, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'ordonnance numéro 20/016 du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité pratique de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 20/017 du 27 mars 2020, fixant les attributions des ministères, vu l'urgence et la nécessité, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne, article 1er, est nommé au grade de général-major l'officier général dont les noms, postenoms, prénoms et matricules suivent, Kasongo Kabwik Jean-Pierre, matricule 17, 29, 81, 13, 41, 59. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le Premier ministre et le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa, le 29 décembre 2020, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 29 décembre 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Colonguier-Lébérante, directeur de cabinet AI. Communiqué de la présidence de la République. La journée du 4 janvier est dédiée à l'hommage national et à la commémoration des martyrs de l'indépendance. En cette année,
L'hommage à nos héros coïncide avec la décision historique de rapatriement des reliques de notre héros national, Patrice Emery Lumumba. À cet effet, le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, salue la mémoire, l'abnégation et la bravoure de tous les vaillants compatriotes dont le sang versé est le prix de notre souveraineté nationale et internationale. Par la même occasion, son Excellence, Monsieur le Président de la République, invite la communauté nationale à marcher sur les traces de nos martyrs pour un Congo plus indépendant et plus démocratique qu'avant, et ce, dans un esprit d'éveil et de conscience patriotique. Fait à Kinshasa, le 4 janvier 2021, pour le cabinet du président de la République, professeur docteur Kachmir Kolongele-Berant, directeur de cabinet AI. Des diplômés supérieurs d'état-major, des FEM en sigle, et vous permettra, de, pour ceux qui ont le prérequis, d'obtenir un accès au Tchèvre. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, distingués invités, je ne saurais clore mon propos sans vous remercier à nouveau et vous féliciter pour votre soutien total à l'émergence de cette école, un des leviers de la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Je ne veux pas oublier de profiter de l'occasion pour présenter les vœux les meilleurs, particulièrement à votre suprême autorité, à votre famille, et ainsi qu'à toute l'assistance et leurs proches pour une heureuse année 2021, pleine de bonheur, de succès et de longévité. L'école de guerre de Kinshasa, accompagnée des cadres congolais et français et des différents intervenants, va pouvoir bien évoluer. Que vive la République démocratique du Congo! Que vive la coopération entre les forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée française. Que vive les forces armées de la République démocratique du Congo. Que vive l'école de guerre de Kinshasa. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le moment est venu de suivre les mots des circonstances du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Pour avoir inscrit ma modeste personne sur la liste des premiers collaborateurs du chef de l'État à qui il a accordé en son haut secret le privilège de s'adresser directement au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République en ce premier jour ouvrable de l'année 2021. Ce privilège est inouï. Me permet de rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, en sa double qualité de commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et également en son nouveau statut d'homme d'honneur à qui le destin a chargé de présider cette année à la destinée de l'Union africaine. Pour la petite histoire, que vous maîtrisez très bien. Il n'est pas besoin de rappeler à l'assistance que vous êtes que son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est le deuxième Congolais à accéder à ses hautes fonctions continentales après le maréchal Mobutu il y a 54 ans. J'étais moi-même encore un jeune homme. Ce même privilège m'offre également
l'instant d'exprimer sincèrement ma reconnaissance à l'égard des soldats de la République, engagés au front avec une détermination patriotique et civique, en dépit des temps difficiles liés à la crise sanitaire qui a réussi, comme on l'a dit encore une fois, en un temps record, à perturber l'ordre mondial et à défier l'empire de la science et de la technique. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République et Chef de l'État, la cérémonie haute en couleur qui nous réunit en ce lieu ce matin est une source de fierté légitime et de joie immense ressentie dans tous les secteurs de l'armée de la République. Je crois que ce sentiment de joie est également partagé par l'ensemble des nations de la nation congolaise. Car Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, l'œuvre que vous inaugurez ce jour, dans quelques instants, est grandiose. Son poids et sa hauteur augmentent et renforcent en même temps l'éloge continental dont jouit déjà notre armée. Dernier né des écoles africaines de guerre, puisqu'à ma connaissance, il existe déjà quelques-unes en Égypte, au Maroc, au Nigeria, en Afrique du Sud, au Kenya ou au Cameroun. Cela veut dire que l'école de guerre de Kinshasa, située au cœur du continent, devient ainsi naturellement le berceau légitime de la formation de l'élite militaire régionale. Excellence, Monsieur le Président, permettez que j'ouvre une parenthèse pour m'adresser un tout petit peu à l'Assemblée réunie aujourd'hui. Distingués invités, mesdames et messieurs, je ne crois pas perdre inutilement votre temps si j'ose donner un bref aperçu historique de la genèse de l'événement que nous célébrons aujourd'hui. En fait, l'idée même de créer une école de guerre de troisième niveau dans notre pays surgit de l'esprit du commandant suprême dès l'aube de l'avènement à la tête de la République, il y a aujourd'hui près de 2 ans. Décidément, le nouvel homme d'État congolais venait de faire un rêve. Un rêve, celui de voir naître et pousser au cœur de l'Afrique une institution élitiste, capable d'assurer une formation militaire digne de répondre aux besoins de nos forces armées de la République et aux besoins des armées des pays amis. Tous les rêves ne se réalisent pas nécessairement dans le temps prévu, mais celui de notre commandant suprême y est arrivé un peu plus avant. Tout part de l'audience que le commandant suprême accorde à Kinshasa, et on l'a dit ici, au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française. Merci pour son rôle de précurseur, aujourd'hui représenté par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France, près de la République démocratique du Congo, à qui je dis sincèrement merci, puisque sa détermination, liée spontanément à la mienne, a mis en place une dynamique conjuguée dont le résultat est le lancement ce jour de cette école de guerre de Kinshasa. Dans la vision fondamentale de l'école de Kinshasa, le chef de l'État lui assigne une vocation, je venais de le dire, une vocation régionale, et lui fait porter une ambition africaine. C'est donc dans ce sens que M. l'ambassadeur et moi, nous avions conçu. C'est aussi dans cette direction que nous engageons cette école dans le processus de certification comme centre d'excellence de l'Union africaine. Convaincu, en dedans de moi-même, que l'école de guerre de Kinshasa favorisera le rayonnement des FRDC au niveau régional et continental et accueillera dès sa deuxième promotion, nous l'avons entendu ici, celle qui est programmée au mois de septembre. Je saisis l'opportunité qu'on m'offre la tribune pour informer l'auguste assistance que le partenariat avec la France, on l'a encore évoqué ici, pays ami,
qui nous accompagne dans ce projet que nous voulons durable n'est pas un feu de paille saisonnière. C'est un lien cimenté dans l'histoire des deux pays et cette histoire tire ses racines dans l'accord général de coopération militaire technique qui existe depuis sa date de signature à Kinshasa le 22 mai 1974 entre la République française et la République démocratique du Congo. C'est donc sous le leadership de nos autorités de tutelle respectives que Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur de France et moi-même avons décidé de redynamiser cet accord vieux de 46 ans par une série de conventions dont celle relative à l'appui, à l'organisation, à la formation et au fonctionnement de l'école supérieure de l'état-major dénommée l'école de guerre de Kinshasa, signée, comme on l'a dit, en date du 17 novembre 2020. Je ferme la petite parenthèse et je reviens à vous, Votre Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est grâce à votre forte, ferme volonté de voir ce rêve devenir réalité que depuis l'année dernière, le commandement des FARDC a disponibilisé, réfectionné, réaménagé et équipé certains vieux bâtiments au sein des installations du groupement de l'école supérieure militaire que votre suprême autorité va inaugurer tout à l'heure. À l'exception de vos